Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mardi 28 juillet 2020. Crise au Mali, la CEDEAO exige la démission des 31 députés mal élus, nous dit Fraternité Matin à sa une. Elle réclame également le respect du cadre institutionnel et la formation des nouveaux gouvernements d'Union nationale. Le président Alassane Ouattara a participé à une visioconférence avec ses pairs de la sous-région, le compte-rendu dans Fraternité Matin. Soutien à la candidature de Ouattara, Ahmed Bakayoko tue toutes les rumeurs, barre à sa une le journal Le Jour Plus. Selon le quotidien, le RHDP est une machine prête à gagner la présidentielle. Les explications dans Le Jour Plus. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Le quotidien d'Abidjan accorde une interview exclusive à un cadre du RHDP. Ils sont en train d'induire Ouattara en erreur, affirme-t-il à la une du journal. Les chefs traditionnels ne sont pas mieux placés. Si nous voulons la paix, Ouattara ne doit pas dire que Gbagbo n'est pas candidat. Quelques morceaux choisis de cette interview à retrouver dans Le quotidien d'Abidjan. Titrologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.